une porte ici de sortie, là? Yo, madame. Madame, je veux m'interner après ce jeu. Y'a quelqu'un? Oh! Je peux m'interner après le jeu? Non? Ok, bon, bah, soit comme ça, là. Ok, nous sommes dans les... Salopiova! Ah... Ah! Je cherche juste ces jouets. Laissez-moi tranquille. Oh. On dirait mon fils qui a essayé de boucher les toilettes quand il était petit. I hate you. Laissez-moi entrer! Cours! Non! Je retourne dans les chiottes, moi. Speedrun! Speedrun! Oh! As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. Oui, mais ça, on l'a compris, tu sais, depuis le début du jeu, hein, que c'était le jardinier. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont... Non, on peut pas ouvrir les portes autrement. Ouais, en fait, il y avait ça que je voulais prendre. Aucune idée. Sans doute, ça va avoir rapport. Mais quoi, il n'y a rien d'autre ici, c'est une blague. Ah, pardon, j'ai des rototo. Ah, yay, j'ai trouvé tes jouets, t'es où? Laisse-moi sortir d'ici. Quoique. Pourquoi il y a une chaise blanc? Pourquoi tout a bougé? Pourquoi je peux plus monter? Oh, cours. Really? C'était obligé de prendre le truc du Shining? Hein? Oh! 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 D'accord. Ouais, au fait, je parie que ça descend en enfer après avoir... Ouais, ça doit être des centres d'offres du bête, ça. Jeez. Bah, pour un moment donné, je fais rien là. Encore le tuit-tuit, je crois. Ouais, je suis le tuit-tuit. Ouais. Merci, chérie, mais pourquoi? Quoi, donc, quoi, il t'a fait un cadeau? On dit pas pourquoi, hein, on dit merci, c'est tout, bon beurre. Hein. Oh! Hé! Hey, ok, là, je vois littéralement rien. Bon bah... C'est quoi ce truc? Ah! 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 Oh, come on! Really? Je... Non. Non. Oh, come on! Bon, encore, on va entrer dans les trucs. Oh! Des fois, je souffre tellement que je suis obligée de me retenir moi-même. Quand je vois que tu prépares le dîner, t'énerves le joli couteau dans ta main, j'imagine, nous, ensemble. Ouais, le reste, je peux pas le dire. À haute voix sur YouTube.
Oh. Oh, bah ouais, d'accord, il fallait que je vienne ici, en fait. Ça me... Ah, Jesus, dis ce Jason! Je me fais avoir avec Jason, moi, ici. Oh, on peut pas passer, d'accord. Tu traînes sans ombre. D'accord. Ah, j'ai foncé dedans, j'avoue, j'ai foncé dedans, j'ai couru comme une malade. Quoi? Hein? Quoi? J'ai pas tout compris là. Je peux pas entrer dedans? Ah! Oh. Attends! Il n'y a rien dedans. Je peux entrer dedans? Non. Faut que je... Ah, je dois rechercher le scotch. Pour que Jason me refasse peur, c'est ça? Oh, come on! Really? Je pouvais pas garder le scotch en main, là, non. Bon, bah... il était là. Ouais, bon, je parie qu'il va me... Si, voilà, je m'en doutais qu'il allait me refaire peur. Je t'ai dit, c'est Jason. Quoi, avec ma petite lampe torche, il a pas peur? La lumière? Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Une histoire de lumière. Toujours une histoire de lumière. Right. Oh, d'accord. Je pense que je vais voir ça. Ah oui, d'accord, il était retrouvé dans le jardin. Ah! Purée, quoi. Le téléphone ne sonne pas encore, par contre. Mais non, il sonne. Viens ici, maman est là, elle est encore froid. Mais logiquement, c'est pas possible, parce que vu que l'enfant est mort avant le moment... Ah oui, d'accord. Bon, pas. C'est une descente en enfer, en fait, du père. Et en fait, je crois que l'homme à l'ombre, c'est le jardinier pour moi. Toi, tu te tais, toi. Ce que le gamin voyait. Et sans doute, le jardinier le suivait partout dans la maison. Bah, je vais quand même vérifier, non, s'il n'y a pas des nouveautés. Pour moi, ça va être ça. Va te blipper, toi. Bon, là-dedans, j'ai été. Ah, à l'air de... Ouais, on doit monter, apparemment. Je sais pas, est-ce que j'étais là-dedans, au début? Non. Ok. Qui est prêt pour se faire pipi dessus? Pas moi! Non. Ah, ferme la fenêtre. Fait froid. Bah si, j'étais ici. Oh, c'était le gamin qui aimait bien les tuituis. Ouais, le médecin devient complètement fou. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, le médecin devient fou. Qui est compréhensible.
Je peux le comprendre. Je peux le comprendre à 100%. Je deviendrais complètement folle aussi. Oh, ah! Ça m'a pas eu autant que les autres. Ben, je suppose qu'il faut aller vers le téléphone. Ah non, ok. Ah, il y a des choses qui ont changé. Yeah. Oh my god. Oh, tout est cassé. Ça, c'est quoi? Ah, quoi, quoi. Yeah, quand j'étais petite, j'avais horreur de ce truc. J'aime bien le nounours, par contre, il est mignon. Il est moche. Ah, il a carrément dessiné. Là ou d'autres. Ouais, le gosse avait l'air de voir aimer les oiseaux. Qui me dérange pas. Là, il y a quelque chose écrit là. Ah, une histoire des corbeaux en plus. Ah, bah voilà, le téléphone sonne. Y a rien. D'accord. Je sais pas quand. C'est un long jeu ou pas, je sais pas en fait. Wow! Oh. Lundi, j'ai pas lu là, j'ai pas vu en fait. D'accord, vendredi, il avait de la famille pour lui-même. Mercredi, ses rêves ne le laissaient pas dormir. Et jeudi, il visite le docteur pour une confession profonde. Vendredi soir, il a fait ce que le docteur lui a dit de faire. Samedi, il a. Qui, par pitié, les développeurs de jeux, mettez vos sous-titres dans une autre couleur des fois parce que quand c'est clair, on n'arrive pas à se lire. Dimanche, le docteur dormir la nuit. Qu'est-ce que c'est? On dirait un vieux cendrier comme ça. Les anciennes cendriers sur pile. D'accord. Bon, nous sommes élus. Ah! Ah, c'est pas le masque de la plague? Ok. C'est la même chose, même texte. Il y a les canapés en fait. Je peux voir le même canapé? Oui, non? On dirait des langues. Non, je parie que c'est des pétales des plantes. Oui, on dirait le fameux truc il y a eu en Italie là, les masques pour contre le truc là. Papa joue avec moi. Apparemment, l'enfant aimait bien le foot aussi. C'est d'or et. Oui, mais ça, on a déjà lu ça. C'est une histoire où il dit. Qui dit que son fils est très talentueux et tout ça, quoi. Quoi, le père a des regrets parce qu'il n'a pas beaucoup passé de temps avec son fils. Aussi, je suppose. Ouais, à 7 ans, c'est jeune, hein. Je pense que je suis obligé de faire un truc de copyright dessus parce qu'il y a une connerie YouTube, leur copyright. T'as dit troisième anniversaire était génial. L'anniversaire était mis dans le jardin. Était pris. Oh. Tous les plats étaient faits des fruits qu'on a cueillis.
Le seul truc qui m'a dérangé, que Stéphane a pris l'intéressé par le développement mental de Teddy. Il a que 3 ans et que son père veut absolument qu'il lit. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai ça avec l'école aussi, quoi. C'était que. Ouais, déjà, tu vois que c'est quoi? Deuxième maternelle, il voulait que mon fils sache déjà lire et écrire parfaitement, quoi, presque. C'était complètement dingue. Ouais, ça c'était l'histoire de rêve ou réalité. Si on rêve plus, et tout, si on dort plus, est-ce qu'on rêve encore et tout ça au tout début là. Mais j'aime bien. Il y a des bons petits passages qui m'ont bien eu, franchement. Waouh! Hey, petit zouave, là, reviens ici, toi. Non. Oh. C'est bien fait quand même. Oh! Oh! Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je peux pas sauter? Oh! Je l'ai pas vu. Oh, les petits coins, coins. Ah, ouais, on dirait moi. Même les nuages bougent. J'ai déjà eu des jeux presque triple A et que les nuages bougent même pas. Hein, porte. Je rigole. Je peux aller dans la salle de bain. J'ai pas envie d'aller dans la salle de bain moi-même. Merci. Par contre, il y a encore un dessin là. Corbeau. Et bien, je crois que ce jeu est sorti sur Xbox. Je ne suis pas sûre. Pourquoi est-ce que j'ouvre des trucs en sachant qu'il n'y a rien dedans? Pas sûre. Ça, c'est mon copain. Je suis pas sûr. Je dois me renseigner en fait. Yay. Ah, j'ai pas su entrer dans celui-là. Ah, les chambres des parents. Oh, come on, really? T'as mis ça au-dessous de ton lit, toi, pour dormir? Keys. Le père, hé, attends, le père était plus fou que. Drôle des miroirs, quand même. Oh, croche. Dû à mes responsabilités. Je n'ai pas eu le temps de prendre soin du jardin. Ouais, c'est comme chez moi en fait. J'ai demandé à Stéphane de m'aider. Ou bien des. Ouais. Ou engager quelqu'un. Je ne. L'enfant qui est soi-disant un génie. Stéphane est hors de l'union. Parler. Emmener l'enfant à l'hôpital. Pour avoir en train de le tester sur son développement mental avec des méthodes bizarres. Je vais marquer bizarre. Je vais juste dire bizarre. Des fois, je crois que notre mariage est un grand regret. Teddy. Alors, j'ai conduit Teddy jusqu'à sa grand-mère, qu'il peut prendre un petit moment de repos de son père. Et de nouveau, ça va être un jeu ou que c'est la faute de la maman, c'est ça? Oui, il faut savoir que moi, je suis d'une mentalité qu'on ne sépare même. On sépare jamais le père et l'enfant, même si les parents sont séparés. Quand je vois des fois les femmes qui font des trucs, que faire en sorte que les pères ne voient plus leur enfant, je suis. Ça me dégoûte, en fait. C'est pas parce qu'on est divorcé ou quoi, qu'est-ce, comment. Je viens de la chambre, vous pouvez pas me demander ça avant? C'est dingue parce que je dis ça à mon mari des fois aussi. Je viens de là! Oh! On retourne quand il était tout bébé. D'accord, il me faut une clé. Je parie que la clé va dans la salle de bain. Pourquoi il y a des jeux de Dungeons et Dragons là?
des petits dinos. Je peux voir les petits dinos. Non, moi je soutiens les pères qui se battent pour voir leurs enfants là, hein, parce que je trouve ça horrible. C'est pas vraiment, c'est ça. Waouh. Y a pas eu un bomb là en fait? Ah non, mais c'est qu'on se met dans dans l'inventaire, quoi. Et quelle salle de bain n'a pas d'essuie? Allez, regardez-moi ça. Come on. Elle se fout de moi, quoi. Alors, j'aime bien parce que dans le mot, elle dit que notre mariage était un grand. Elle regrette un peu. Mais elle est d'accord d'envoyer son homme d'aller lui chercher une essuie dans la salle de bain. Vas-y, pour comprendre. Je te jure, les femmes. Les femmes, moi-même, j'en ai une. On est incompréhensible. Tu vois, voilà. J'ai des. Oh, comment on dit ça en français encore? Ah, les sentiments mixtes sur notre relation. Oh. Stéphane est mon employeur et je lui dois beaucoup. Je sais. C'est pas une discussion qu'on doit avoir dans une lettre. On va se prendre rendez-vous dans le jardin dans 2 jours. Ah non, là il parle d'Edouard. Pourquoi le mettre là? C'est ta femme, tu sais. Hey, oh, tu as pas fini de me fermer les portes. Bon, je dois faire pipi là. Je le hais. Qu'est-ce qu'il pensait? Où est-ce qu'il est maintenant? Okay. C'est fini entre nous deux. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident de vivre avec un médecin, un médecin en plus psy, quoi. Et comme j'ai dit, il a 50 milliards d'essuies, il a 50 milliards de portes, il savait pas mettre une essuie là-dedans, toi. Bon, est-ce que j'ai essayé cette porte? Non. Bon, apparemment, je dois essayer de trouver une clé. Moi ici, parce que je dois ouvrir ça. Et comme je sais pas où il est, j'ai pas envie d'aller dans la cave. Et on va me forcer à aller dans la cave, je crois. Ah non. Ah non, le téléphone sonne. Oui, je rêvais pas. Je reste chez mes parents ce soir. C'est tout ce que j'ai dit.